Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Kovacic qui sera titulaire pour la première fois depuis son retour de prêt. Eh oui, c'est vrai. Et ce sera une bonne occasion pour lui de démontrer toute l'expérience qu'il a acquise. Et maintenant, jetons un œil aux compositions d'équipe. Le match commence. Madrid qui a rapporté une victoire importante du match aller et qui doit confirmer aujourd'hui sa place en quart de finale. Alors, que va-t-il faire? Oh, voici Roland. Sergio Ramos qui ne résiste pas au contact. Longue ouverture en direction du poteau de corner. On joue sur l'aile, il est servi. Le coup de tête! Il peut encore frapper! Le geste juste, capital! Voilà qui peut changer beaucoup de choses. Ça y est, ce match est vraiment lancé. Et le gardien qui passe complètement au travers, ça fait but! Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite, mais c'est parfaitement joué de sa part. Ils ouvrent le score, c'est un but qui vaut cher. Oui, il touche. Marco Asensio. La longue ouverture sur l'aile. Le petit 1-2. Il l'a vu. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Et il tombe sous la pression. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Oh, voici Roland. Il tente de la jouer dans l'espace. Ah, il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Et cette tête! Ça peut rentrer cette fois. Oh, le poteau. Oh, voici Roland. Malaga qui peut construire. Il faut... Ils obtiennent un coup franc. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement, c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Bien joué, ça. L'interception, bien joué. En retrait. Il est marqué de près. Oh oui! Il est servi. Il peut y aller. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. La passe est précise. Malaga qui essaye de construire. Jolie passe lobée. L'occasion! Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment et c'est passé tout. Voilà qui met un terme à cette première période. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons pour eux que ça continue comme ça. Madrid qui mène donc 1-0, mais attention, tout est encore possible en seconde période. Et on est déjà reparti. Oui, et je me demande... Quelle détente! Heureusement qu'il était là. Son gardien était battu. Benzema. Kovacic. Dans la profondeur. Benzema! La tentative! Et le cadran se dérobe largement. Quand on a une aussi grosse occasion, il faut la mettre au fond. C'est mal joué de sa part. Malaga qui procède à un changement. Isco.
C'est puissant sur l'aile. Il a du champ sur le côté. Premier corner dans cette rencontre. Marco Asensio. Non, non, ça ne passera pas. On sait de quoi il est capable. C'est vraiment un joueur à part, du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Pour trouver la faille dans la défense. Il paraissait bien seul aussi. Ah, quel dommage, l'idée était géniale. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Le gardien loin devant. Ça joue à gauche. C'est joué long. Attention. C'est bien donné. Il rejoue derrière lui. Oh, très bon ballon. C'est le dernier changement. Ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Très bas, sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans leur dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Alors, que va-t-il faire? Quelle passe! Kovacic, au duel. Oh, il espérait ce ballon. Ce n'est plus du marquage, c'est du harcèlement. C'est pas étonnant, vu ce qu'il a déjà fait. Il joue dans l'espace. Il écarte le jeu. Allez, ça peut faire mal. Il y a peut-être un coup à jouer. Benzema, Benzema. Et oui, but. Et il compte maintenant 2 buts d'avance. La frappe lointaine, et quelle précision. C'était vraiment un boulet de canon. Le gardien n'avait aucune chance, il n'a rien à se reprocher. Et désormais, il en est à 3 buts dans la compétition. La faute. Et l'arbitre est clair, il lui dit de vite, vite se calmer. Baïs. L'accélération. Il enchaîne les dribbles. Pour trouver la faille dans la défense. Il est lancé vers le poteau de corner. C'est joué long, attention. Dans la surface. Quelle inspiration! La frappe! Le ballon traîne toujours, attention. L'arbitre siffle, le match est terminé. Elles ont gardé leur niveau du match aller. Belle victoire. Bravo. Que retenez-vous de cette rencontre? C'est sûr qu'en marquant si tôt dans le match, ils ont fait le plein de confiance.
Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Le coach a réservé une petite surprise en titularisant un joueur inconnu du grand public. Vous avez des infos sur lui ? Je vais vous décevoir, Grégoire, mais il n'y a pas que le grand public qui ne le connaît pas. Je vais le découvrir en même temps que vous. Et le temps est venu de découvrir la composition des deux formations. Qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Bien travaillé, quelle détente! Ça ne passe pas loin. Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Mais à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Cette rencontre a démarré sur les chapeaux de roue avec beaucoup de frappes. Il faut juste s'appliquer un peu plus. S'il le trouve, il allonge. Il est à distance de tir. Il tire. C'est au fond. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Quelle belle entame après cette ouverture du score dans les premières minutes. Toni Kroos. Belle passe lobée sur l'aile. On joue sur l'aile, il est servi. Il cherche son coéquipier. Khirona qui peut construire. Skalak. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Oh, le petit ballon piqué! Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Madrid qui cherche l'étincelle. Il écarte le jeu. Il a du champ sur le côté. Il est bien placé. Il y a danger dans les runs. La relance côté droit. C'est bien défendu. Il fallait vraiment être solide. Il est lancé vers le poteau de corner. C'est bien fait. Il est sur le côté. L'occasion. Le ballon traîne toujours, attention! Ah.
Skalak. Oh, il est solide, il récupère le ballon. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Bien joué ça, le coup de tête. Oh, quel bel arrêt. C'est un super arrêt, fine save. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Alors, qu'avez-vous pensé de cette première période? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Grégoire, mais je pense qu'il mérite beaucoup mieux. Regardez les stats et surtout le nombre de tirs. Un petit but sépare les deux équipes. 1-0 à la pause. Si vous vous étiez absenté pendant la pause, vous n'avez rien manqué. Le match vient tout juste de reprendre. Oui, et je me demande... Il tente sa chance. Oh, il marque. Je le sentais venir à celui-là, je vous le jure. Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprennent, mais à la perfection. Et c'est reparti, les deux équipes sont de nouveau à égalité. Alors là, ça peut être un très grand match parce que les deux équipes se rendent coup pour coup. Ce ballon bien dosé. Bien tenté cette passe dans le dos de la défense, mais c'est intercepté. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les pas. Il peut frapper. La passe est précise. Il tire. Il marque. C'était millimétré, elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Isco qui s'est offert son 5e but de la saison. Et l'entraîneur qui fait rentrer du 109. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Aubameyang. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Un bon pressing des attaquants et voilà comment on passe de défense à attaque. C'est bien joué. Oh, c'était pas loin. C'est un cauchemar pour les défenses. Et si on veut le marquer individuellement, eh bien on prend le risque de laisser des espaces pour ses coéquipiers. Isco qui est récompensé de son pressing. Il joue en profondeur. Il frappe et ça rentre. Oh, maintenant ça va être difficile de les reprendre. Ça c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure et au bout, il y a but. Madrid qui procède à un changement. Bale qui entre, ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. C'est reparti, et il y a maintenant deux buts d'écart. Deux buts d'avance, c'est confortable sur le papier, mais la beauté du foot, c'est justement ça. On ne sait jamais ce qui va se passer. Giovanni, repiqué dans l'axe peut-être. Et ils vont effectuer cette touche. Il a fini de s'échauffer, il va pouvoir rentrer en jeu. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Ce jeu de passe, quel régal! Le ballon s'en touche. Bien tenté. Pierre-Emerick
Pierre-Emerick Aubameyang qui subit un marquage très serré. C'est bien normal. Il a un talent fou pour se faire oublier et puis réapparaître derrière la ligne des défenseurs. Marco Asensio. Marcelo. Cristiano Ronaldo. C'est bien fait ça. Pas de hors-jeu, il va. Aubameyang, le centre. Quelle belle performance de leur part aujourd'hui. Franchement, c'est régalé à commenter cette rencontre. C'était vraiment un superbe spectacle. Que retenez-vous de cette rencontre? Eh bien, Oscar Wilde a dit un jour que la victoire revient toujours au plus braillard. Là, je dirais que la victoire est revenue au plus gaillard. Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Darren Tulette qui nous livrera son analyse technique. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Et c'est parti. Granit Xhaka. Alors, González. Madrid, qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Alors, que va-t-il faire? Il glisse le ballon en profondeur. Un long ballon vers l'avant. Dans les runs. Et voici Aubameyang. Ouverture vers le poteau de corner. Il est tout seul. Il relance côté droit. Et le tir. Et le voilà, le premier but. Allez, votre analyse, Darren. C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Belle entame après cette ouverture du score dans les premières minutes. Villarreal qui s'est imposé lors de la dernière journée en grande partie grâce à son entraîneur. Oui, enfin, le mérite en revient aussi à ses joueurs. Hein, parce que passer à trois défenseurs en plein milieu de match, c'est pas évident. Il passe en retrait au gardien. Sergio Ramos. Marcelo, il décide d'allonger le jeu. La passe dans la profondeur. Il va se présenter sur la frappe. Et il trompe le gardien. Ils enfoncent le clou en marquant rapidement un autre but.
Il a bien analysé la situation avant de très vite faire la différence. La défense n'a jamais pu le rattraper. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Voici Carlos Bacca. Ça joue à gauche. Il écarte le jeu. Pas de hors-jeu, il va. Quelle inspiration. Bacca, le centre. C'est... Il tire. Oh, il bute. Le but. Il ne compte plus qu'un but de retard. Oh, le pauvre. C'est difficile d'en vouloir au gardien. Là, il était masqué et ne voit le ballon qu'au dernier moment. Attention, plus qu'un but d'écart entre les deux équipes. C'est bon pour le moral, ça. Et s'ils allaient chercher l'égalisation? Et voici Aubameyang. Il est lancé vers le poteau de corner. Dolejon reçoit le ballon. Là, il peut centrer. Et c'est directement récupéré. Le jeu repart vers la droite. Il la remet. C'est joué long. Ce contre peut très bien aller au bout. Sergio Ramos. Oh, il a bien vu son coéquipier. Cédric Bakambu. Carlos Bacca. Il allonge. Repiqué dans l'axe peut-être. Mais il était bien présent. Daniel Carvajal qui a donc offert un... C'est la pause, une pause bien méritée pour les deux équipes qui ont fait beaucoup d'efforts jusqu'ici. On a vu une première période très agréable avec 3 buts et un score qui ménage encore beaucoup de suspense. Eh bien écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Mais là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. 3 buts en première période, mais ils sont menés 2-1. Si vous vous étiez absenté pendant la pause, vous n'avez rien manqué, le match vient tout juste de reprendre. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est joué long vers le poteau de corner. Allez, ça peut faire mal. Oh, quel geste! Il peut y aller, il peut frapper. Et ça rentre! Et ça fait désormais 2 buts d'avance. Quelle intelligence dans la finition! Maintenant 2 buts d'écart. Ils ont creusé l'écart. Ils allaient en chercher un autre. Granit Xhaka. Et ce ballon sur l'aile. Dans l'espace. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Aucun danger pour le gardien. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. Et en général, ça lui réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. On attendait un arrêt de jeu. Le changement peut maintenant s'effectuer. Et c'est un attaquant qui rentre. Pour prendre ce ballon. Sergio Ramos. Et cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Alors, Gonzalez.
Granit Xhaka. Carlos Bacca, un ballon intéressant. Ah, il est bien monté. Montréal, bien servi sur le côté. Raphaël Varane. Voilà un marquage très agressif. Bon, il leur a déjà montré de quoi il était capable. Alors là, il se méfie. Le long dégagement du gardien. Ça, c'est une interception parfaite. Toni Kroos. Isco. Pierre-Emerick Aubameyang vers l'arrière. Pas tellement de solution. Il écarte, il joue sur l'aile. Torreón, il a de l'espace. Carvajal. Ouais, il peut choisir de centrer. Le bon sang. Aubameyang. Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. Villarreal profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, dans l'axe, ce n'était pas brillant non plus. Ils s'en sortent plutôt bien, je dirais. Oh, c'était pas loin. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. Et l'arbitre siffle la fin du match. Quelle est belle cette victoire, belle et méritée. Ils étaient tout simplement plus forts aujourd'hui. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match? Ils ont marqué très vite dans ce match et ça a boosté leur confiance. Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Grégoire Margoton au commentaire, avec sans doute l'anglais préféré des Français, Darren Tullet. Mes respects, cher Grégoire. Voilà une affiche plutôt sympa, j'espère qu'on va se régaler. Et le coup d'envoi a donc été donné. C'est puissant, sur l'aile. Allez, ça peut faire mal. Bien joué ça, Carvajal. C'est bien. Aubameyang. Ouh là là, quel dégagement en catastrophe. Valence qui cherche l'étincelle. Le ballon s'en touche. On joue sur l'aile, il est servi. Passe interceptée. C'est joué long. Cristiano Ronaldo. Marcelo qui a un peu d'espace. Madrid qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Il est lancé vers le poteau de corner. Marcelo qui centre. Allez, de la tête! Voilà l'ouverture du score! Quel centre, mais quel centre! Et forcément, derrière, c'est plus facile. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête, alors que ce n'est pas un attaquant, n'oublions pas. Le jeu reprend, ça fait 1-0. Il mène au score, maintenant il ne faut pas laisser l'adversaire revenir.
tenter. Il est tout seul. C'est une bonne situation sur l'aile gauche. Il reçoit le ballon. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il allonge. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Alors, que va-t-il faire? Dans l'espace, la belle interception. Attention, la frappe! C'est au fond du filet! Je le sentais venir à celui-là, je vous le jure! Quelle envie il s'est jeté sur ce ballon! Mais il faut communiquer dans ce genre de situation. Messieurs les défenseurs, vous êtes à la rue! Rodrigo, qui compte maintenant 4 buts dans ce championnat. Et c'est reparti, les deux équipes sont de nouveau à égalité. Ah, ça c'est un grand classique, ils sont encore en train de fêter le but et hop, ils se font remonter. La passe en retrait vers son défenseur. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Il choisit là-bas, sur l'aile. Dans les rounds, il a de l'espace. Dans la surface. Le gros, la frappe. Le ballon renvoyé par le poteau. Pour trouver la frappe. Aubameyang. Conséquence, mais quelle prise de risque inutile! Ça, c'est de la détermination. Il a provoqué cette erreur grâce à son pressing. Bien joué! Oh, c'était pas loin. C'est vraiment un joueur à part. Du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Marcelo. Long ballon dans le sens du jeu. Il écarte le jeu. Et il continue sa course. Il va provoquer. Allez, c'est dangereux. Et ce ballon sur l'aile. C'est la pause, une pause bien méritée pour les deux équipes qui ont fait beaucoup d'efforts jusqu'ici. Madrid qui rentre donc au vestiaire sur ce score de 1 partout. Rien n'est joué. Un match équilibré jusqu'à présent avec ce score de 1 partout. Un but partout, on en reste là pour le moment. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. Qui a été très critiqué après le dernier match perdu sur une erreur de coaching. Oui, bah comme on dit, la critique est aisée, mais l'art est difficile. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir... Il peut y aller. Et le cadre se dérobe largement. On sent qu'ils vont aller chercher ce but. Et pourquoi pas maintenant? Toni Kroos. Ouverture vers le poteau de corner. Bien tenté. Hector Bellerin, il résiste bien. Voici Zaza. Zaza qui a un peu d'espace. Ce ballon bien dosé, c'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. On ne le met pas souvent en valeur, mais un bon marquage individuel, c'est important. C'est bien normal. Il a un talent fou pour se faire oublier et puis réapparaître derrière la ligne des défenseurs. Il choisit la profondeur. Il est à distance de tir. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais
qu'il n'a pas pu frapper. Valence a l'air de se préparer à un véritable bombardement de centre. Oui, c'est vrai, il y a surpopulation dans l'axe. L'inconvénient, c'est qu'il laisse pas mal d'espace dans d'autres zones. Il frappe. Et une nouvelle fois. Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment. Il s'est passé tout près, deux, trois fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. Poker de l'entraîneur. Valence qui effectue un double changement. Il y avait des joueurs qui tiraient un peu la langue, j'ai l'impression. Voilà un coup franc intéressant. Le long dégagement du gardien. Voici Aubameyang. Et ce ballon sur l'aile. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Toni Kroos qui choisit le côté gauche. Le bon ballon. Ça sent la frappe. Attention au centre. Ah, mais quel dommage, quel gâchis. Mais il n'arrive pas. Zaza. Geoffrey Kondogbia qui a offert cette passe décisive. Valence doit se montrer plus tranchant dans ces dernières minutes. Il décide d'allonger le jeu. Il a trébuché sur cette intervention. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Et personne n'aura pris l'avantage aujourd'hui à l'issue de cette rencontre. On s'est quand même régalé à suivre ce match entre deux équipes de très bon niveau. Alors, votre analyse sur cette rencontre? C'est un match nul, c'est certain.